Le bonheur de ces Butchou mis en exergue dans ces portraits renseigne notamment sur l'objectif du programme d'assainissement et de l'eau pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les 12 pays bénéficiaires du fonds rwandais DGIS se sont retrouvés au Bénin pour conceptualiser les stratégies à travers la 6e revue annuelle. Mais un petit bilan est à retenir pour le compte du Bénin. Ces fonds ont touché 824 484 personnes vivant dans 3253 localités ayant abandonné la défécation à l'air libre et plus de 129 884 ménages ayant adopté les bonnes pratiques d'hygiène, notamment le lavage des mains et le traitement de l'eau de boisson à domicile. En termes de recevabilité et de durabilité, le programme a accompagné 14 communes rurales pour le déploiement de l'assainissement total piloté par les communautés à travers le suivi post-déclenchement et le suivi post de fin de la défécation à l'air libre. Des progrès enregistrés dans les autres pays bénéficiaires du fonds DGIS, mais le partenaire, lui, reste toujours sur sa soif. Le progrès reste trop lent. Le taux de défécation à l'air libre a été réduit de seulement 3,19% entre 2013 et 2017. Et les disparités sont flagrantes. 70% des enfants issus de zones urbaines ont accès à l'eau potable contre seulement 66% dans le milieu rural. La rencontre de Cotonou sera le déclic pour assurer ce droit à tous dans les 12 pays bénéficiaires du fonds DGIS.